Bonjour à tous, bienvenue dans ce 50e épisode d'Under Space 2 avec nos amis Mercadim. Vraiment, nos amis Mercadim. Alors aujourd'hui, objectif faire tomber cette ruse et avoir la victoire militaire. Voilà, hein, on fait simple, on fait concis. Les objectifs ne sont pas compliqués. Alors, ici, on est prêt. Alors, hop, ça crée, ça plus ça fusionné. On va quitter. Toi, tu viens là. Hop, 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 hop. On est où là-haut? On va attendre encore un petit peu, mais je pense que à moins de 1000, on va lancer un assaut. Hein, parce que ça sert à rien d'attendre. Alors, on va voir ça. La lance de l'Islander, histoire de voir un peu ce que ça fait un moment dans la partie quand même. Ça c'est bon. De toute façon, logiquement, les militaires ils vont repartir. De toute façon, même s'ils repassent pas, nous on est en guerre, on s'en fout. Alors ici, ouais, ok. Ici, dodo aussi, dodo. Fin de, du tour. Combien là-haut? Okay. Alors 400. Ouais, 3-4 tours ça devrait être bon. Juste une petite question comme ça, mais si on lance l'assaut là, là ils ont encore des aviations en dessous, donc on va attendre un petit peu. Hop, hop. Fin du tour. Qu'est-ce qu'il y a comme event? Ok. 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 Oh, oui, tu m'étonnes, j'étais angoissé toi. Une armée de folie qui est à tes portes. Je comprends que tu sois angoissé. Tu sois angoissé. Ça fait 2-3 tours à attendre. Hop, le dos. Fin du tour. J'ai des voisins très calmes en ce moment, ça fait plaisir. Je sais pas si vous les entendez, mais moi limite je les entends plus que ma voix. Ah, c'est pas comme s'il était 1h du matin. Il est 1h du mat, il y en a ils sont en train de faire un gros snooba. Vive le confinement. 1182, allez deux tours. Voilà. Fin du tour. Ouais, ah, alors, nerf. On a dit coloniser, coloniser, coloniser. C'est comme ça, on va récupérer des pop plus vite. Bouger la flotte. Toi, tu vas perdre de l'eau aussi parce que tu m'énerves au bout d'un moment. 1062. On est quand même plus nombreux à soutenir les militaristes. Logiquement, on devrait passer large. Hein. Ouais, ouais, c'est l'avantage d'être en pleine guerre. C'est de. Qu'on n'a pas trop de problèmes à soutenir la guerre. Voilà.
Ah oui, il faudrait retourner voir l'Alexander. Non. Non. Ah, c'est moi It qui is our ai intention that. Pour la peine, on va lancer l'assaut. Victoire mineure, continuez. On va les éclater. Alors, en fait, ils ont une victoire au score. Donc, logiquement, ils ont gagné la partie et j'ai perdu. Ils ont gagné au score quoi. Je comprends même pas que ce Mais c'est ma faute, hein. Je l'ai pas désactivé. On pourrait faire comme s'ils n'avaient pas gagné. Tiens, on ramasse. Utilise la lampe de Alexander pour ramasser des reliques. C'est pas pathétique. On va ramasser les reliques ici aussi. Fin de tour. Alors on est reparti pour un assaut clair. Victoire mineure, mais on lui tombe au prochain tour quoi. On va filer la trêve. Alors, tac. Voilà. Hop. Oui, bah, vous êtes arrivé, vous allez attendre un petit peu. Hop, en mode défense ici, fin du tour. Je sais pas si on aura. Si on aura, comment dire ça, des... Cette russe. Là, logiquement, la planète tombe. Victoire décisive. Occupé. Il a été construit ailleurs, je crois. Voilà, tu as collecté la relique du coup. Ok, ok. Plus 8, moins 8. Moins 10. 13 tours. Alors, est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va gagner? Ok, vous avez dit planète froide, ok. Ok. Monter le niveau du scan gaz. Du coup, il gaz. Augmenter le niveau du Pourquoi il y a quoi là? Le sien contient une merveille des victoires grises de l'espace-temps. D'accord. Augmenter le niveau du système, oui. Il y a niveau 3. Ah, je peux les moderniser enfin. Alors, moi je voulais moderniser avec ça. Qu'est-ce qui donne du manpower aussi? Ça me pas plus 10% de science sur le système. Est-ce qu'on a encore besoin de manpower?
Ah, il y a des trucs qu'on n'a pas encore trouvé. Du coup, on pourrait mettre ça plus ça. Et ça, quand même. Voilà, la part monte du coup. Il nous faut des paillettes. Alors à l'arrivée, on va les négocier. On va les négocier, rien du tout, hein. The unfallen seek only harmony, not to anger or offend. Non. Hop, fin du tour. Oui, ça truc du coup, on n'a rien construit. On va lancer quelques infrastructures. Voilà. La question étant de savoir si le fait de... pas renégocier le traité. Ah oui, non, mais oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tell me why you're here. Now. Trêve. Et en échange, je veux quelque chose. Ah, voilà. Là, mais c'est pas toi que je négocie. The unfallen seek only harmony, not to anger or offend. Et combien? Well... 900. 958. Allez, 900. Voilà. Merci. Merci parce que là, du coup, tu vois, tu me donnes... C'est-à-dire... Hop, tous les systèmes... Ils peuvent être modernisés. Suivant. Nouvelle modernisation. Avec de la relique, non, pas de programme, modernisation, voilà. Voilà. Niveau 2, hein, déjà, faut repasser niveau 2. On va repasser niveau 3. On va repasser niveau 3, enfin niveau 4 plutôt. Niveau 4. Par contre, le dernier, oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On n'est pas prêt de. Allez, si. Pareil. Ah, il me manque des champignons. Alors, il reste sur le marché. On va prendre 300. Oh, 26K quand même. Oh. Vas-y. C'est cadeau. 212K. Voilà. Et voilà, tous nos systèmes sont en cours de modernisation. Hop. Pas de fin de tour. Est-ce qu'on peut passer une loi religieuse? Ah.
Ah non. Alors voilà, fin de tour. Ok. Toi, chercher la relique ici. Vous êtes sérieux, je peux pas y aller parce qu'il y a des histoires de frontières à la con là. Non mais sérieusement? Allez, fin de tour, ça me gonfle. Alors. Alliance dissoute. Empire éliminé. Pourquoi? Parce que j'ai pris sa planète natale? Sans doute. What is your objective? Refusé. What is your objective? Ok. Ah oui, quand on prend son système, lui, il perd tous ses noms, quoi, cash. Ah ouais, ok. Alors là, je t'explique pas, il y a un vaisseau de colonisation qui traîne dans le coin. Toi, mon grand, tu vas traverser la moitié de la galaxie. Et tu vas venir direct ici. Et je gagne toujours pas la partie. Il veut pas me donner la victoire parce que elle a déjà été attribuée. Premier. Troisième au score. Oui, je sais pas. S'il vous plaît, quoi. Me dites pas que la seule chose qui fait que j'ai pas gagné, c'est. Si votre alliance possède 27 systèmes sur 51 nécessaires à la victoire. Donc là, logiquement, en théorie, j'ai gagné quand même. Bon, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Ça sert à rien de s'étaler pendant 100 000 ans. On a éliminé du coup les persistants. Alors les persistants, vous prenez leur monde natal, ils perdent tout leur système. C'est radical. Et c'est bon à savoir pour plus tard. Les bêtas, eux, bon, sont toujours présents. L'académie a fait figuration. Et on avait bien fait de faire une petite alliance ici, parce que sinon, à mon avis, on aurait été dans la merde. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Du coup, demain, il n'y aura pas de suite sur cette série. On fera un épisode 2.